Back to the Woody Woodpecker. C'est quoi ça, Jurassic Park? Elle est dans de la mer. J'ai du mal à saisir le concept du jeu là. J'avoue, je suis très curieux. On se met en normal. Fonction grondement. Attends, est-ce qu'ils sont en train de parler de la vibration là? Genre, ils ont traduit ça par grondement? Kemko, on tient une conversation. Ouais. Je suis en train de réfléchir, on va peut-être mettre les gens en facile. Même si je pense pas qu'il soit très dur le jeu. La manette gronde. Ah, on active. Qu'est-ce que ce jeu? J'avoue que... Alors, mon nom. On reste sur Wawa. Ah ouais, on n'est pas du tout sur un jeu de gestion, j'ai l'impression. Allez, au hasard. Let's go. Momomotus. Oh. Attends, mais le jeu, c'est vraiment nous qui visitons Universal Studios? Oh, ça a l'air éclaté. Non, ne jugeons pas trop vite. Ne jugeons pas trop vite. Oh mon dieu! Woody Woodpecker! Ah, les attractions vont être incroyables. Tu es trop pauvre pour aller pour aller en Californie ou à Orlando? Ce n'est pas un problème. Nintendo pense à toi. Ok. Amuse-toi bien, ok. J'ai pas écouté, hein. Donc là, c'est bien, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut faire? Objet, on n'en a pas. Des tampons, on n'en a pas. Ah! Jurassic Park, Retour à le futur. Wild Wild West. Backdraft, je sais pas ce que c'est. E.T. Jaws, c'est les dents de la mer. Quiz et Universal Studios. Ok. Ah là, mais c'est Woody Woodpecker! Alors essaie de ne pas vous perdre. Ah, il a vraiment dit ça. Oh mon dieu, ça a l'air fou. Des murs invisibles partout. Ah, attends. Il avait un truc à me dire, lui. C'est excitant. Oula, je suis un enfant. Hein. Oh. Oh, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La tête du gamin. Attends, il y a des trucs par terre là. Ah, il faut trouver. J'ai éclaté. La caméra fixe, j'aime bien perso. Ah, j'ai rien contre les caméras fixes. Hein. J'ai trouvé une lettre. Les collectifs de l'enfer. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais attends, mais t'imagines? Non, c'est pas de la thune, c'est des points.
T'imagines, genre tes parents ils te ramènent ça? Toi tu voulais jouer à Mario Sunshine ou... Tiens, le vendeur de Micromania il m'a dit que c'était très bien. T'aimes bien Retour vers le futur? Bah tiens. Oh, on est sur Main Street. Et pourquoi il y a un pompier? Alors ici c'est pour désactiver... pour la vibration de la manette, ils ont mis un personnage qui fait... Ah oh, c'est n'importe quoi. Tu voulais aller... Ouais c'est encore pire. Tu voulais aller à Universal Studios? Tu es depuis ton canapé. Eh franchement on s'y croirait. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de faire un petit voyage ensemble là en Floride? Quelqu'un donnait des plans à l'entrée du parc. Tu t'amuses bien? Bah pas ouf. Attends, oh il faut que j'aille chercher un plan à l'entrée du parc, c'est ça? L'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde, il n'y aura pas la queue aux attractions. Vibration. Bah surtout que les films ne sont probablement pas sortis au même moment. Ah bah non, ils sont sortis bien avant. On est d'accord que c'est là l'entrée du parc. De toute façon c'est un couloir là, je peux pas me perdre. Attends, je suis arrivé par où à la base? C'est le pire... Bah franchement... Mais il y a même moyen que ce soit le pire jeu de la GameCube, non? Attends, mais c'est où l'entrée du parc? Ah, c'est ici. Bah, y a pas de... C'est où pour rentrer chez moi? Ah non, il y a de belles daubes, hein, mais là, je pense que... On tient un prétendant. D'ailleurs, il faudra que je fasse une tier list à la fin. De tous les jeux. Quoique, je vais peut-être pas me rappeler. Je vais peut-être la faire au fur et à mesure, la tier list. Genre à la fin de chaque session, ou au début de chaque session, on fait la tier list des jeux de la session d'avant. Bon, il est où le mec qui distribue des plans, là? On m'a menti. Bah non, c'est ça, Oko, j'ai pas me rappeler, donc... Ouais, c'est ça, exactement. Je vais la faire au fur et à mesure. Bon, je sais pas qui distribue les plans. Tant pis. On n'a pas besoin de plans, c'est un couloir le truc. Les attractions. Moi je vais voir les attractions. Ah, c'est peut-être lui. As-tu une casquette? Tu peux entrer dans les attractions quand tu veux si tu as une casquette. Alors j'ai un magnifique bonnet. Mais j'ai pas de casquette. Genre là, si je vais à gauche, y'a rien. Bon. Pas sûr qu'on puisse mettre 450 jeux sur la tier list aussi. Ah putain, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Vraiment, elle, je m'en remets pas. C'est bon. Oh, c'est terrible. Mais les murs invisibles, mon pote, pourquoi ils ont fait ça? Les gens, ils peuvent y aller, mais pas moi. Oh, E.T. Pardonnez à Tomorrow, et même si moi j'ai passé un bon moment, je... Ouais, mais il y a une différence entre jeux qui font pas l'unanimité, ou même jeux nuls. En fait, elle est jeux nuls, on en a fait, hein. Genre, on a fait un jeu de roller qui était éclaté, là. Mais ça, c'est au-delà.
Ça, c'est les jeux qui respectent pas les gens, en fait. Veux-tu essayer l'aventure E.T. ? Oui. Ah non, j'ai dit non. Bonne chance. Bonne chance. Le jeu, il t'annonce la couleur. Hein. Bonne chance. Alors, A, c'est pour pédaler. B, c'est pour freiner. E.T. is in trouble. He has to go back to the green planet and there's hardly any time before the spaceship takes off. You need to hop on the bicycle and take. J'avoue, j'attends de voir l'attraction. Ça se trouve, ça va être fou. On the bicycle, press the A button to pedal and the B button to brake. Steer the bike by moving the control stick up and down. Batman Back to Tomorrow, on va me faire un des jeux les plus éclatants. Un mini jeu de vélo, c'est ça? J'écoute pas du tout. Je l'ai aimé parce qu'il est nul à chier. Mais c'est... C'est quoi ça? Les roues, elles ont même pas de rayon. Merde. C'est injouable. Genre vraiment. Pourtant, c'est tout con. Hein. C'est au bas. Pardon, E.T. T'inquiète. What? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je t'aime? Attends, mais même sur PS1, t'avais des yeux plus beaux que ça. Oh là là! Attends, mais ça a l'air long en plus cette connerie. Je voyais pas pourquoi il disait que la direction se contrôlait au bas. Ouais, c'est ça. Ah, mais y'a que eux pour avoir pensé à cette configuration. Mais c'est insupportable! Oh putain! Oh. C'est vraiment encore pire que ce que vous imaginez, hein, je vous dis, manette en main. Bon, on a dépassé la moitié. Attends, c'est terrible parce que c'est un jeu, je devrais... Vraiment, je devrais pas y jouer plus longtemps. Mais il m'a piégé parce que je veux voir les autres attractions du coup. Moi je vais voir Retour à le futur, je vais voir Jurassic Park. Le vélo c'est pas facile, bah mais ils m'ont pas mis les petits trous. Ah, on peut pas rouler dans l'eau. C'est pas fini. Ils ont calé la petite ref au film. On continue. Du coup, t'as pas vu mon tips.
Oui, non, si, si, Oko. Enfin, j'avais pas vu, mais oui, j'ai compris après. Merci. T'as vraiment lu les explications? Oh là là. Bah, tu vois, là, si je fais ça, il. Wouah! Ouais, non, mais. Mais c'est vraiment. C'est incontrôlable. Les effets sur l'eau qui sont à 2 FPS. En fait, ils ont mis tout le pognon dans la licence universelle et des films. C'est une personne assidue. Ouais, je sais. Aïe aïe aïe, le premier jeu sur Blue Drain. Ah ouais. Putain, je regardais pas. C'est bon, il va pouvoir retourner maison. Mais du coup, je suis déçu parce que c'est même pas des attractions. C'est des mini-jeux éclatés. Je pense qu'on est sur un record du monde. T'as fait la pub parce que j'ai mis facile. Eh, hey, regarde-moi ces nullos qui mettent 59 minutes. Je suis numéro 1. Je vais avoir mon petit tampon, voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Je sais que je devrais arrêter là, mais on va pas arrêter là. On peut pas arrêter là. On a tous envie de voir les autres attractions. Est-ce que vous pensez qu'il y aura Will Smith dans Wild Wild West? Par contre, j'avoue que un plan du parc, ça m'aurait bien aidé. Hein. Encore faut-il les trouver. Il avait l'air cool, XGRA. Bon, en vrai, ça va. Let's go to... Oh, on va 100% le jeu. Oh putain, je comprends rien. Attends. Donc si je vais là, il y a quoi? Ok, on a trouvé un nouveau chemin. Oh, une lettre. Le R de Universal. J'aperçois le L par terre. T'as les oiseaux en 4 polygones. Def Jam, j'en avais un sur PS2. Ouais, Def Jam Vendetta, c'était. Tu peux trouver. Ouais, j'y retournerai pas. Hein. Je vais pas à l'entrée du parc. Hein. Attends, c'est une attraction ça ou c'est. Non, ça a pas l'air. T'as mais vraiment, regardez les personnages! Ils sont en 2D quoi. Mais la 2D Game Boy hein. Oh. On est sur GameCube. Mais ils le vendaient combien ce jeu? Ah ouais là c'est grand en fait hein. J'avoue qu'un plan. Ah, on est dans la zone Far West. Ah, ça doit être Wild Wild West. Sais-tu où tu vas ensuite? Comment ça? Tu ne peux pas entrer car il y a trop de monde. Pardon.
Pardon ? C'est une blague ? Attends. T'achètes un jeu ? Tu vas dans un parc d'attraction virtuellement, c'est éclaté déjà. Mais en plus, il y a trop de monde. Vous pensez que je dois faire la queue? Mais non. Y'a pas des fast-pass? Attends, mais tout à l'heure il a dit si t'as une casquette, tu peux faire les attractions Attends, mais c'est quoi ces conneries? Le pire jeu, mais c'est une honte! Les jeux devraient rester dans les poubelles, c'est évident. Ouais, je suis bien d'accord. Genre, ce jeu. La place de ce jeu est dans une poubelle. Ou alors, c'est peut-être parce que le jeu, il veut que tu fasses. Peut-être que le jeu il veut que tu fasses les attractions dans un ordre précis. Qu'est-ce qu'un overboard selon toi? Bah, c'est un skateboard volant. Tu ne peux pas entrer car il y a trop de monde. Mais j'y vais péter mon câble. Bonjour. T'as un gros requin au milieu de la place. Bah ouais, c'est dans de la mer. Ah, tu rigoles, mais à Europa Park, y a un truc comme ça. J'ai une photo à côté d'un requin. Comme ça. Des gamins vont là-bas, bah oui. Attendez, là, y a un problème, là. Ramasse les déchets, mais de mieux en mieux. C'est nul. C'est nul de ouf. Ah maintenant il faut qu'en plus que je ramasse les déchets. Mais le jeu il me crache à la gueule là. Franchement ils ont quoi dans la tête? Non mais... Tout le monde hein. Les devs, les... Bah à mon avis les devs ils ont fait ce qu'on leur a dit. Mais genre... Y'a personne dans toute l'équipe qui s'est dit attends on fait de la merde là quand même. Waterworld. Veux-tu... Ah on peut là. Y'a pas trop de monde à Waterworld. Mais pourquoi il me dit au revoir? Ah, il me dit au revoir, mais parce que j'ai fait l'attraction. You can see the demonstration of the climax here. Alors, celui-là, c'est même pas un jeu. Genre, juste, tu choisis où tu t'assois. Ouais, je pense que là, les devs, ils avaient pas trop le choix. J'ai peut-être bientôt fini le jeu. Attends, vraiment, genre, tu choisis où tu t'assois pour le spectacle? Vas-y, on se met au milieu. Hein. Le nom exact de quoi? Du jeu? Non. Je te dis après. C'est tout. Universal Studio Theme Park. Ouais, c'est ça. Universal Studio Theme Park Adventure. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, peut-être qu'on n'était pas assis au bon endroit. Vous avez pas bien vu. Non, mais c'est une blague. Genre, ils se sont dit... On a une attraction. On va la refaire en 3D. Enfin, pas l'attraction, juste le climax. Et les gens pourront le voir de plusieurs angles. Oh.
Ouais, bon, bonne nuit. T'es sûr que tu veux dormir, Rocco? Je pense que t'as pas vu... Putain, je me suis trompé de bouton. Ah non, c'est bon. Tu vas rater les autres attractions. Avez-vous un téléphone portable quelque part? 4 sur 20! Putain, c'est trop généreux. 4 sur 20, c'est trop. Mais à quoi ça? En plus, ça rapporte même pas de points de ramasser les déchets. Genre, juste merci, quoi. Y a même pas de menu pause. Attendez, sauvegarde parce que. Est-ce que maintenant je peux refaire les autres attractions? Y a plus personne là! J'ai download tout le... Ouais, j'ai tous les jeux, ouais. Européen. En vrai, bonne nuit, des bisous, ça marche, Rocco. Dors bien, bonne nuit à toi, des bisous. À bientôt. Ah non, mais c'est horrible. C'est éclaté. Attendez, du coup, je vais voir un truc. Attendez. Mais genre, même... Tu fais start, il se passe rien. Pour le menu, il faut appuyer sur Z. Qui fait ça? Attendez, ce qu'on va faire... J'ai quand même envie de voir un truc. Est-ce qu'il y a des code action replay? Deux codes. Avoir beaucoup de points. Génial. Bah vas-y. Hein. Attends, ça marche comme ça? J'ai jamais utilisé. Genre là, c'est coché, c'est bon. Est-ce que ça permet de faire des attractions d'avoir des points? Je vais suivre l'idée d'Aoko et dormir. Ça marche. Ça marche. Bonne nuit à toi, Brocoli. Merci d'être passé. Ouais, ça va, toi aussi, présente-toi. Tu m'étonnes. Non, non, putain, c'est horrible. Ça fait combien de gigas tout, pour tous les jeux GameCube? Je sais plus. Parce que là, les jeux, en fait, ils font 1,3 giga chacun. Mais je crois que quand tu les télécharges, ils sont compressés, donc c'était moins. C'est une fois décompressé qu'ils prennent plus de place. Mais... attends, bah, en vrai, je peux te dire. Ils sont où les jeux? Tac. Ouais, ils sont là, je vais te dire. 637 gigas. Parce qu'il y a des jeux en 2 CD et tout. Mais je suis trop... Je passe beaucoup trop de temps sur ce jeu, mais... Je pense qu'on tient vraiment le pire jeu de la GameCube, donc... Autant lui rendre hommage. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, t'as 4 ou 5 jeux pour Total. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
sais pas ce que ça fait d'avoir... Ah, mode attraction. Ah, il y a un mode attraction. On va se mettre en normal. Ah oui, moi je suis fasciné. Vraiment, genre, je suis... Enfin, je me dis... Ah putain, tu peux juste refaire l'attraction que t'as déjà fait. Ah, dommage qu'il n'y ait pas un code action replay qui débloque tout. Oh, quel enfer! En plus, ça veut rien dire le code a lot of points. C'est genre. C'est combien? Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est beaucoup. Mais du coup, ça sert à quoi? A vraiment été très loin dans la question. 20 minutes pour finalement passer 15 secondes. Attends. Donc les... c'est pas avec les points. Est-ce qu'avec les points je peux acheter la fameuse casquette là? Ouais, il va être minuit. Ah bah vous savez quoi, je pense qu'on va... Ça va être notre dernier jeu. Hein. En vrai, ça aurait été pas mal que j'ai le plan. Peut-être que ça indique où sont les boutiques et tout. J'arrête de les critiquer. T'as envie de tomber sur quelqu'un qui dit non, mais le jeu est bien. On est jamais venu ici. Bah non, il y a des lettres. Mais je veux pas vous parler. Je veux ramasser. Hi. Essaye ce quiz, si tu gagnes, tu peux faire deux autres mini-jeux. L'environnement sonore est pas si mal. Penses-tu pouvoir répondre correctement à toutes mes questions? Bah, je pense pas, non. Hello, I'm Winnie Woodpecker. You're going to take a knowledge quiz. Try to do your best. Choose the correct answer from the four choices. To answer a question. Allez, on voit. À la fin de Retour dans le futur, où Doc ont été Marty et sa petite amie? Bah, dans le futur. En 2000, quel film a réalisé Ron Howard, le réalisateur de Backdraft? Aucune idée. En 2000? Combien d'enfants a le frère du héros dans Backdraft? Je connais pas ce film. Ouais, c'était Grinch. Je connais pas ce film. Backdraft. Si vous avez la réponse... Deux. Merci, oui. Dans Waterworld, une bande de pirates vivant sur un grand, grand pétrolier menace tout le monde. Quel est leur nom? Les Walkers, les Sneakers, les Hunters ou les Smokers? Les Smokers? Bien joué. Quel est le nom de la tante qui joue Joe et ses compagnons... À qui Joe et ses compagnons rendent visite pour dîner? Mais de quoi tu parles? De quel film il parle? La tante May, la tante... C'est la tante May? Ah non, ça c'est... C'est dans un autre film. Oh, j'ai eu bon. Combien de T-Rex apparaissent dans Jurassic Park, le monde perdu? Dans Jurassic Park, le monde... C'est le 2? Il y en a combien dans le 2?
Ouais, y'a trop de décalage, oui, tu donnes les réponses trop tard. Y'a combien de T-Rex? Je dirais 2. 3. Qui a réalisé la chose? C'est Carpenter. Quel est le nom de la ferme où Marty reprend conscience de Retour à le futur 3? La ferme McFly. Combien mesure le requin mangeur d'hommes dans les dents de la mer? 7 mètres. Dans le cinéma du futur, dans Retour vers le futur 2, on joue les dents de la mer 19. Qui réalise ce faux film? Ah genre c'est écrit? Bah j'en sais rien moi. Max Spielberg. Oh là là. Perdu, Jennifer. C'était Max. Et en plus, il me juge. Il me dit que je dois plus regarder. Non, non, mais merci. Attends, mais tu vas me dire que si je réussis pas ça... Non, mais t'imagines le piège pour le gosse? Tu peux pas jouer si tu réponds pas aux questions. Non, 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 mais attends, non, non. On va parler d'une casquette. Oh, j'ai trouvé le téléphone! Allô? Avez-vous mon téléphone? Bah non. Non. Pouvez-vous me le ramener à l'entrée de Waterworld? Je vous attendrai là-bas. Putain, c'était où Waterworld? C'est tellement mal pensé cette caméra. Non, là je tourne en rond. Attends, mais avant d'aller. Je veux un. Les tampons sont rouges ou bleus. Tu obtiens un tampon rouge si tu fais un score élevé dans une attraction. Mais en mode facile, tu gagnes que des tampons bleus. Je m'en fous de ça. C'est marrant qu'ici on puisse aller ni à droite ni à gauche. Exactement, non, non. Très bon plan. Appelle tes parents pour rentrer chez toi. Quel enfer. Veux-tu échanger des points contre quelque chose? Oh! Chapeau de cow-boy, casque de pompier, casquette Retour vers le futur. Casquette Jurassic Park, chaussures de T-Rex. Ah! Ah bah là ça va servir les points. Attends, je viens de... Attends, le jeu, je peux racheter plusieurs fois le même truc. Mais il se fout de moi. Donc en fait, il faut que t'achètes la casquette de chaque attraction pour la faire. Parce que si elle a la queue. Attends. Ah, c'est juste que j'ai jamais validé en fait. Putain, le jeu, tu veux passer le texte et en fait tu valides. Oh, c'est insupportable. Allez. Oh.
E.T., je m'en fous. Les dents de la mer. Les dents DLM, il y a écrit. Oh putain. C'est insupportable d'avoir mis le nom en premier choix. Jurassic, évidemment. Ça va forcément être fou, Jurassic Park. Oh, les chaussures, je vois pas l'intérêt, mais vas-y. Attends, je regarde. Si jamais ça crache, je veux pas refaire ça. Ah bah attends, le plan du parc c'était où? Parce que pour moi c'est ici l'entrée du parc. C'est lui là qui... Attends-moi! Ici un plan, oh! Ok, j'ai le plan. Ah, Backdraft, c'est un film de pompiers. C'est pour ça que j'ai un casque de pompier. Bon, on va aller vers Wild Wild West et vers... Ah, c'est Retour de Flamme, ok. Jamais vu. Donc là, il faut aller vers la droite. Ouais. Qui c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il fait? Serre la main de la créature. Ok, c'est très chelou. Est-ce que je vais dans le bon sens là? Un père pompier meurt d'une intervention et son fils veut faire pompier. Il me semble que ça tombe. D'accord. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des gens pompiers partout. C'est pas des vrais pompiers, c'est juste genre ils sont en costume de Mel Gibson. Bon, alors est-ce qu'on peut faire Wild Wild West là? Maintenant que j'ai un chapeau de cowboy. Tu ne peux pas rentrer car il y a trop de monde. Putain, ça marche pas comme ça. Ou alors il faut que je l'équipe. Ah, attends, oui, il faut que je l'équipe. Et là, maintenant, là, je peux faire attraction ou pas? Hey, l'objet que tu as te donne un accès illimité à cette attraction. Que veux-tu faire? Veux-tu entrer? Bah non, penses-tu? Et si on passe au oui, qu'est-ce qu'il y a? Tire bien droit et ne les laisse pas voir que tu transpires. Oh yeah! Welcome to the Wild 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 West! Three gunmen here are waiting to challenge you. They heard that you are good. The targets are in the city. Aim with the control stick. You can shoot with the L or R button. When you run out of bullets, use the A button to reload the gun. Good luck! C'est vrai parce que Wild Wild West, c'est vraiment un film éclaté, objectivement.
Mais quand j'étais petit, bah j'aimais bien. Bah, en même temps, comme beaucoup de films quand t'es petit. Hein. Oh, c'est tellement dur de viser avec ça! Ah, c'est une cible ça? C'est affreux, putain! Et comment tu peux faire ça à des gosses? Ouais, à la limite, avec un pistolet, ça aurait été au moins un peu amusant. Mais là, c'est horrible. Putain, j'arrive pas à viser. Oh, le bâtard. Déglingue là. Yes. No. Voilà. Allez, j'en ai vu assez. Oh. T'imagines? Genre, ils te forcent à ramasser des déchets dans un parc pour gratter des points, pour pouvoir jouer à ça. Et t'as payé ça à 60€. Oh. Mais faut les mettre en prison, ces gens. Vraiment. C'est vrai que paradoxalement, ça va être le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, je pense. Parce qu'on reverra jamais quelque chose comme ça. Bon alors attendez, je vais mettre mon meilleur chapeau de requin. Et du coup, retour à le futur, je suis grave curieux. Tu vois pas mon chapeau? Oh. Oh, c'est insupportable! Oui, en fait, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur le bouton, ça fait pas avancer plus vite les textes. Hein. Oh, ce jeu va me tuer. Oui, parce que quand tu restes appuyé sur A, le texte va plus vite. Mais si t'appuies sur A au mauvais moment, tu dis non. Voilà. Merci. I heard some frightening news. The ships that sail by here are frequently attacked by Jaws. If you see Jaws, stop him before he sinks the ship. Keep Jaws away at all costs. Use the control stick to walk around the deck. Press the A button to pick up an item on the ship. Accroché à la casserole avec du chien, pas mal ça. You can use what you picked up by pressing. Oh, la punition de ouf. J'ai pas écouté, ça va être horrible. On s'en fout.
Oh, le fun. Le fun en bar. Trop fort. Ah, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Merci. Congratulations. Alors, Waterworld, on a vu ce que c'était. Jurassic Park. J'arrive pas à me repérer en fait. Ouais. Donc Jurassic Park, c'est à gauche. Enfin, à gauche de lui, donc à droite. Changeons de lieu de rendez-vous, plutôt la zone western. Vous serez là. Bah là, mon pote, ton téléphone. Bon. Il te semble que tu vas toute ta vie, ça doit être ça alors. J'ai l'impression. Oh, Jurassic Park, ça peut pas être nul. On est quand même sur un film incroyable. Ok, il y a de la queue pour changer. Je vois pourquoi il y a la casquette et il y a les chaussures. Ah, les chaussures, ils les ont même pas modélisées sur toi. Il y a écrit tu les portes. Fais-nous confiance. Ah si, là on les voit là. Sauf s'il n'y a pas de dino, t'imagines? Welcome to Jurassic Park! You're riding through the park. Keep an eye out for dinosaurs. They may charge your car. If they attack, attends, comment ça? Ah oui, on doit tirer dessus. Press the A button to shoot. Hold down the A button to shoot a powerful beam. Oh mon dieu, putain, mais c'est un jeu GameCube, hein, je le rappelle. Hein. Look, T-Rex, shoot him down. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh mon dieu. C'est de pire en pire. On tient pas sur les triceratops. Quand même.
Vous avez vu la gueule du jeu? Mais c'est pas du foutage de gueule ça! Oh ce plan il est... Ouais, ils sont beaucoup là! Mais c'est un scandale! C'est même pas fun, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si jamais vous êtes en train de vous dire, ouais, en vrai, il s'amuse. Allez, j'ai tenu tant que j'ai pu, mais là, je peux pas. On verra pas la fin. On verra pas la fin du film. Oh, là, j'ai tellement peur pour Retour à le futur. Ça va me faire mal au cœur. Ça va me faire mal au cœur. Mais tu y étais presque. De quoi, à la fin? Comment tu sais? Il y avait le nid, il y avait le truc qui apparaissait. Attends, donc là on est où? Ah, on peut pas rejoindre par là. Il faut faire le tour. Non. Je sais, j'en sais rien. Ouais, je pense que j'y étais pas presque. Hein. Attends. Sur le plan, c'est relié Backdraft avec. Je peux aller nulle part. Ici peut-être. Ok, c'est ici. Oh là là. Oh, c'est tellement mal foutu. Ok. Alors. Voilà, c'est plus complexe là. Use the plus control pad to take small steps and turns. If you see a fire extinguisher, pick it up and press the... On va se démerder.
Ah, je l'ai mis dans ma poche. D'accord. L'attraction qui dure 15 minutes. Ah, c'est la limite. Oh la vache. Ça fait penser à Dismotion 3. Le Rover Hill. C'est coincé derrière une porte ou dans un tapis en multi. Ah, je l'ai pas fait en multi. C'est vrai qu'on a j'ai jamais testé le multi de Luigi's Mansion. Je crois qu'il était cool. Bon bah c'était bien nul. Allez, retour à le futur et puis on arrête. Non attends. Ah non, je reviens sur mes pas. Très bien aussi. Ouais, c'est genre c'est des niveaux et c'est généré de façon aléatoire. Ça avait l'air cool. Oh, retour à le futur. Ça peut que être bien. Pense à attraper Biff. On va essayer d'y penser, ouais. Oh la musique. Drift Bra- ah, c'est un jeu de voiture. The Ride. Wow. Ah là là, cette bagnole. Get in quick. There's Biff. Il se retourne carrément, genre il fait un 180 degrés, hey ça va ? Alors ça je me rappelle pas dans le film. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas dû le voir celui-là.
What are you doing? Are you okay? Je freine pas, hein, je m'en fous. Yeah! Sacré Biff. Biff Tannen. Eh, banane, je croyais t'avoir dit plus foutre les pieds ici. Putain, mais c'est quoi cet effet blanc dégueulasse là? J'ai l'impression d'être dans un rêve. What are you doing? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Are you okay? Il se retourne. C'est quoi la chaîne? Ah, ça doit être ça, ouais. Et ça, c'est quand il passe en vitesse lumière, évidemment. Putain. Alors là, c'est Mario Kart, hein. C'est le circuit de Bowser, celui-là. Évidemment, un retour à le volcan, on s'en souvient tous. Quand ils vont à Pompéi. Ah mais là il se fout de moi. Il tape des accélérations dans les virages là. C'était rien. Non. Bon bah voilà, officiellement, vraiment il y a rien à sauver dans le jeu. Oh. Oh, c'est terrible. Même les quiz ils sont éclatés. Bah va le faire toi-même. Oh là là. À la limite, on peut voir ce que c'est Animation Celebration, là, machin, c'est même pas une attraction. Ah bah c'est le quiz en fait. Super, c'était le quiz. Et bah génial. Et bah c'était... C'était Universal Studio, le jeu. C'était incroyable. Une vraie perle ce jeu. Ah ouais, je pense que je me remettrai pas. En tout cas, s'il y a un pire jeu que ça sur GameCube, j'ai pas envie de le connaître. Non, en vrai, si. S'il y a pire que ça, je suis curieux.